Ça fait toujours sérieux un générique. Donc, l'info carton du jour, le petit carton, parce que oui, on fait ça des fois, on s'agace un petit peu sur des trucs qui marchent pas, parce qu'il y a de l'actu sérieuse, et puis il y a de l'actu un petit peu moins sérieuse. Celle-là, c'est de l'actu, mais elle est pouffante, elle fait pouffer, elle fait faire... Bon, je vous avais parlé sur Renault Décode, ici, il y a quelques mois déjà, d'un truc absolument dingue, c'était le fait que... Les impôts en France, ah non, on va pas parler des impôts, bien sûr qu'on va parler des impôts, dans les services des impôts du gouvernement français, fierté nationale chez nous, ils s'étaient mis à l'intelligence artificielle. Dites-moi pas que c'est pas vrai, l'administration française, les impôts, se sont mis à l'IA. Oui, c'était une news déjà d'il y a plusieurs mois, les amis, mais oui, je vous en avais parlé presque au début de la hype de l'intelligence artificielle. Vous avez dit, mais c'est dingue, on a quand même un gouvernement super où les impôts se mettent à l'intelligence artificielle. Bon, la raison pour laquelle les impôts se mettent à l'intelligence artificielle nous avait un petit peu moins hypé, on va se le dire. Pourquoi ils se sont mis à l'IA? Bon, en même temps, c'est leur métier, on ne peut pas leur reprocher. Pour prendre... des photos satellites, des photos aériennes de l'ensemble du territoire français, de mettre une IA effectivement sur l'interprétation de ces cartes pour faire quoi? Pour détecter des piscines. Oui, parce que c'est imposable. Bah oui. Donc pour savoir si vous avez une piscine, si derrière votre jolie haie, là, comme ça, on voit rien de votre jardin, si vous avez creusé une piscine, genre en scred, sans rien dire à personne, surtout pas au fisc, parce que ça coûte une blasse. Vous avez creusé la piscine, bah là foutu. Le fisc, il s'est mis à l'intelligence artificielle, photo aérienne, ouh, le joli petit rectangle bleuté chez vous, à l'arrière de votre jardin. Hop, on envoie la note. Donc bravo, le fisc, vous êtes mis à l'intelligence artificielle. Malheureusement, c'est pour nous prendre du pognon. Bon, en même temps, c'est pour prendre du pognon, hein. Tout le monde, et pas que à ceux qui déclarent les piscines qui doivent être déclarées, pour essayer de choper ceux qui ont essayé de frauder le système. C'est quand même nos sous que le fisc récupère. Donc on est très très content qu'ils se mettent à l'intelligence artificielle. Et ben aujourd'hui, les amis, patatras. Comment ça, patatras? Qui c'est celui-là encore? Non, c'est pas le nom de quelqu'un. Patatras, on se rend compte que cette IA, elle est foireuse. Ça marche pas. C'est pourri, c'est nul. C'est nul, c'est tellement nul qu'en fait c'était mieux quand il n'y en avait pas. Parce que ça se gourre à chaque fois, ça envoie des agents. Agent numéro 4012, oui patron, pour l'honneur du fisc, pour l'honneur du fisc. Allez, allez-moi à cette adresse, il y a une piscine planquée. C'est notre intelligence artificielle James Bond qui l'a repéré. Vas-y et va taxer les gens. C'est bon, je vais taxer les gens. On arrive et en fait c'est une ferme. Voilà, ils ont juste mis une grande bâche bleue sur leur ballot de paille, mais vu du ciel, l'intelligence artificielle a dit « Oh, c'est un rectangle tout bleu, c'est une piscine. » Eh ben non, ils se sont gourés. Bon, bah l'agent, il rentre à sa maison. Alors bravo, parce que ce truc-là était aussi censé être un moteur d'efficacité, de tout ça, machin, d'aller plus vite, etc., etc., de pas se déplacer. Bon, en fait, là, l'agent 4012, il s'est déplacé pour rien, pour aller essayer de taxer une bâche. Pas une vache, une bâche. Bref, ça détecte des bâches, ça détecte aussi des piscines qui sont hors sol. Vous avez peut-être ça chez vous, je sais pas, ou vos voisins, j'en sais rien. Vous avez une piscine qui n'est pas creusée, voilà, mais qui hors sol, qui est démontable. Vous démontez pour l'hiver, vous la remontez pour l'été, etc. etc. Et ben, l'IA sur la carte, vu du dessus, une piscine est une piscine. On ne voit pas trop, on n'est pas sûr de savoir si elle est enterrée, enfin, pas enterrée, si elle est creusée ou si elle est au-dessus du sol. Ben, c'est pas taxé pareil, c'est pas taxable. C'est que ceux qui sont creusés qui sont taxables. Et donc, ça se gourre aussi là-dessus, ça confond des trucs. Et pire, ah, ou mieux, regardez, remarquez si vous êtes tricheur, je vous donne tout de suite un hack. Si vous voulez tricher avec votre piscine et pas vous faire gauler par l'intelligence artificielle, je vous dis comment frauder. Est-ce que là, maintenant, en live dans Renault Décode, je vais vous apprendre un truc pour frauder le fisc? Est-ce que je ne vais pas me retrouver police, menottes, prison? Non, mais le faites pas, mais c'est pour vous dire. Je vous parle juste de... Oh là là, je marche sur des œufs là. Bon, je vous parle juste de l'actualité de cette IA, et c'est de ça dont on parle dans Renault Décode, web, digital et tech. On ne parle pas de fraudage de fisc. N'empêche que là, je vais vous donner un tuyau pour frauder le fisc. Mais le faites pas! Je vous donne juste le tuyau, vous en servez pas. Bon. Plutôt que de faire comme tout le monde,
Quand vous faites votre piscine, votre pisciniste, il vous livre un bac, c'est tout bleu dans le fond. Parce que c'est joli, une piscine toute bleue dans le fond. Ou alors vous la faites sur mesure, et au fond, le revêtement, il est bleu. Parce que c'est joli, le bleu dans le fond de la piscine. Je pourrais vous le chanter, le bleu piscine. Bon. Et le pull marine qui est tombé dedans. Bon. Je vais pas le faire, rassurez-vous, tout va bien. Changez de couleur. Repeignez ça en vert. Et hop, l'IA, elle voit plus rien. Parce que ça détecte les carrés bleus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous changez la couleur, l'IA ne voit plus rien et vous passez... Bon, bref, cette IA ne fonctionne absolument pas. Ça ne marche pas. Bon, ça fonctionne une fois sur trois, quoi. Bon, donc ça veut dire que deux fois sur trois, on a envoyé l'agent 4012 pour surveiller une bâche et qu'une fois sur trois, bah, on a loupé la piscine qui n'avait pas le fond bleu. T'es rigolo, non? Bon, voilà, c'est deux petits cartons. C'est très bien. Bravo, le gouvernement. Faut se mettre à l'IA. Faut que ce soit performant, quand même. Hein, faut que ça reste bien. Bon, je dis ça, je dis rien. Vous en pensez quoi? On se moque ou on est solidaire? Ou on dit, mais non, c'était un bel effort. Après tout, il y a des fraudeurs. Faut aller les choper, les fraudeurs, dis donc.